Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous n'êtes pas comme moi, atteint par la chaleur. Impossible d'être fatigué, j'ai trop chaud, vraiment trop chaud. J'ai ouvert un courant d'air et il n'y a pas d'air. Je suis obligée de surveiller la chatounette qui ne monte pas sur la fenêtre. En fin de compte, j'ai essayé ce Dyson avec en dessous le papier une lingette en double. Ça l'a bien coupé. Donc, pas de problème. Cette série-là, apparemment, n'est pas comme la première. Et se découpe bien. Bon, c'est les deux seules qui m'intéressent. Les autres, j'en vois pas trop l'intérêt. Il y a quoi? Vaguement un chapiteau, une scène de théâtre, une maison, une voiture et un lampadaire, un gâteau d'anniversaire. Peut-être que le gâteau d'anniversaire encore, oui, c'est pas mal. Et puis une ville. Donc, si je trouve le gâteau d'anniversaire, je le prendrai. Si je trouve pas, va tant pis. Hein. Écoutez. Oui, Titine. Ah bah elle, dès qu'on m'entend parler, hein, c'est pareil que Kira, elle se manifeste. Voilà, c'est des câlins. Ah oui, câlin maman. Bah oui. On m'a bien reconnu, ça a été câlin maman tout de suite. Hein? Mais tu me piques si je te prends sur les genoux. Oh, bon allez, monte. Hop là, voilà. Voilà, elle est grosse. Elle est toute maigre comme ça, mais elle est grosse. Hein, c'est ma grosse. Oh bon. Oui. Oh bah oui, hein, tu accompagnes à maman. Hein. Bah oui, hein. Oh bah oui. Oh oui. Voilà. Alors je sais pas comment fait Jackie pour dormir, mais moi. Enfin, d'habitude, c'est lui qui est debout. Et moi qui dors. Hein. Et là, c'est le contraire. J'arrive pas, il fait trop chaud. Je peux pas être ne serait-ce que par-dessus la couverture. C'est impossible. Ah ouais. Maman n'arrive pas, hein, à faire de dos. Hein. Bah ouais. C'est pour ça. Hein? Oh bah oui, on cherche sa place, hein. Allez, tu la trouves ta place. Voilà, se tient. Elle est blottie en boule. C'est vraiment trop chaud. Il y a le bruit de la cascade, c'est reposant. Mais bah c'est tout ce qu'on entend, quoi. Chez moi, c'est le silence total. Ici, il y a le bruit de la cascade et pourtant, c'est un bâtiment à côté. C'est pas énorme. Mais bon, moi, je l'entends pas. Je suis de l'autre côté. Donc voilà. Bon, bah ça y est, t'es bien installé.
très bien installé. Je vais vous montrer. Voilà. La petite boule. La petite boule de poêle. Ça ronronne. Ça fait du bruit, ce petit machin-là. Hein? Oh ouais, on oui, évidemment, on n'est pas vraiment couvert hein, pour ce temps. Et demain, il va faire la même température. Donc pour pas dormir. Pourtant, d'habitude, c'est vraiment Jackie qui ne dort pas. Je peux pas, j'ai soif, j'ai mal aux jambes, ça c'est un détail, c'est pas gravissime. J'ai mal partout, ça c'est plus embêtant. Bah oui, j'ai joué de la manivelle pour faire des découpes, donc forcément j'ai mal aux épaules. Je suis en train de lui faire des câlins à la papatte. Elle aime bien. On a pris nos petites habitudes d'avant. Elle me serre le doigt. Ah oui. On a repris nos petites habitudes. Hein. Maman, elle n'a pas pu t'acheter des friandises, tu vois. Pas ce coup-ci, la fois prochaine, hein? Oui, hein? Ça va être bien. Tu vas voir. Alors, les miens sont au frais, ils ont de l'air. Que je leur ai laissé la fenêtre de la salle de bain ouverte. Ouais, je leur laisse ouverte parce que sinon ils auraient trop chaud, les pauvres. J'ai fait des guillis là, papa. Du coup, elle me pose la patte dans la paume. Hein? T'en as assez que maman fasse des guillis la papatte? Guillis. Ah, ah, ah. C'est des guillis, hein, t'as vu, hein? Elle a réagi. C'est papa que ces caresses-là, c'est fait des guilis à la papette. C'est tout plein d'amour, ça. Ah ouais, bon bah oui.
Elle doit avoir chaud avec tous ses poils. Encore ça boit, oui. Pratiquement allongé tout son long. Bon, est-ce qu'il y a un ce qui concerne le scrap? Ben, j'ai à part tester les découpes et puis être buté dessus, hein, pour réussir à sortir quelque chose. Donc ça va, je sais où j'en suis maintenant. Mais cette série-là, elle est trop jolie. Tu veux descendre? Tu me tiens chaud, hein? Oui. Je sais que t'es bien. Mais là, il va falloir descendre, Titine. Allez, zou, par terre. Mais j'arrive pas à me réchauffer. Ça va plus moins. Rafraîchir. Si. C'est fatigant. C'est fatigant et en même temps pas assez fatigant. J'ai même retiré mes espèces de ballerines parce que j'ai les pieds qui chauffent dedans. Je suis en train de recharger une batterie. Je me demande pourquoi, puisque j'ai plus de liquide de vapotage. Mais enfin bon, elle sera chargée. J'ai été les faire refaire. Voilà. J'en ai deux bleus. Une rouge que j'avais avant. Là, je suis en train de recharger une bleue. Voilà, oui, bah non, bah, ça c'est une manie, hein. Le soir, c'est des gratouillis. C'est la détente du cuir chevelu. Parce que ça tire sur les cheveux. Voilà. Le poids qu'il faut. C'est assez costaud. Il faut vraiment avoir la tête costaud. Ah ouais, parce que je sais pas si vous allez voir. Voilà. Il y a tout ce poids-là. Bon, bah donc j'ai fait mes découpes, il n'y a plus qu'à coller. Alors c'est tellement petit que je crois que je vais aller chercher une pince à épiler
parce que il va falloir que je le tienne avec quelque chose pour pouvoir coller ensuite. Ah ouais, non, mais c'est tout petit, tout petit, tout petit. Bon, bah, si je qui se paye pas de mine, hein, il n'est pas comme moi, il n'a pas vécu une vie normale après le décès de ses parents. Donc, il n'a pas beaucoup de meubles. Donc là, je suis sur la table basse. Il a récupéré le plateau d'un côté, le dessous de l'autre. Ça fait pas mal. C'est assez joli. De toute façon, moi j'adore le faire forger, donc. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires pour ceux qui n'arrivent pas à dormir. C'est ma bouillante. Ah oui, non, mais c'est de la folie. Je vous dis à plus. Et voilà.